Access, les états. Nous allons reprendre la base de données de la précédente vidéo. Donc si jamais vous ne l'avez pas, vous pouvez la télécharger, aller dans la description. Nous avons donc les tables habituelles, les requêtes et les formulaires, ainsi que l'état que nous avons créé dans la vidéo précédente. Si je double-clique dessus, on voit qu'on a une liste de clients bruts, puisqu'en fait c'est l'assistant état qui m'a produit ce listing-là. Le problème, c'est que le code postal est un petit peu juste. L'administration client, c'est une colonne très large. On va donc essayer d'arranger tout ça et de retoucher un petit peu la mise en forme. Alors, on bascule comme d'habitude en mode création. Et en mode création, on va commencer déjà par donner un nouveau titre à notre état. Donc, à la place de état client, on va écrire liste des clients. On fera la mise en forme un petit peu après. Admis client, on a vu que c'était beaucoup trop grand. Donc, on va aussi, peut-être avant de retailler les boutons, renommer tout ça. Renommer tous ces titres, parce que admis client, ce n'est pas très parlant. Donc, on va mettre administration. Et comme on a un soit oui, soit non comme réponse, je vais mettre ça avec un point d'interrogation. Ensuite, pour le code postal, c'est un peu petit, du coup je vais l'agrandir un peu et on va mettre code P. La civilité, on va la conserver telle qu'elle. Le nom du client, c'est peut-être un petit peu juste, donc on va augmenter un petit peu la taille de nom du client. Le prénom du client, idem, on va augmenter un petit peu la taille. La rue, ça devrait être à peu près correct. La ville, ça me paraît un peu long, donc je vais réduire un peu. On continue sur la droite. Il me reste le chiffre d'affaires client. Là aussi, ça me paraît un peu grand, je réduis légèrement. On fait ça un peu au hasard, hein. C'est pas grave, après on améliorera. Je déplace avec les flèches pour ne pas bouger le positionnement vertical, et quant au mail, il est vraiment, vraiment trop petit. Donc je vais l'agrandir un petit peu. Ça ne me suffira pas. Voilà, donc nous avons retaillé un petit peu tout ça. Les données se superposent les unes aux autres. Donc plutôt que de mettre administration comme ça, je vais mettre administ, point d'interrogation, on comprendra. Et puis, on va voir ce que ça donne au niveau. Il faut déjà peut-être donner la même taille. Hop, donc là, pour donner la même taille aux deux boîtes, on va faire organiser, taille. Et là, on va mettre au plus large. Non, comme il était trop large, on va mettre au plus étroit. Voilà, je voyais qu'il est cette taille-là. Entre ces deux-là, on va mettre au plus large. Donc, on les sélectionne les deux. Et puis, taille espace, au plus large. Pour la civilité, on va mettre au plus étroit. Pour le nom, je crois qu'on l'avait agrandi un petit peu, donc on va mettre au plus large. Pour le prénom, idem, on va mettre au plus large. Pour la rue, je crois que ça allait, donc on n'y avait pas touché. Je vais quand même mettre au plus large pour m'assurer que la taille est correcte. La ville, on l'a réduite, donc on va mettre au plus étroit. Le chiffre d'affaires, on l'a un peu réduit, donc on va mettre là aussi au plus étroit. On bascule, et pour le mail, je crois que je l'ai agrandi, mais pas suffisamment, on va mettre au plus large. On enregistre, on bascule maintenant pour voir un petit peu ce que ça donne. Et on voit que administration, code postal, alors on va centrer tout ça. Nom et prénom, on peut réduire. La rue est bien, la ville, on peut réduire. Par contre, le mail est beaucoup trop petit. Quant au chiffre d'affaires, il convient. Donc, on va réduire un certain nombre de choses.
mode création, on sélectionne les deux, et là on réduit un petit peu. Code postal, on sélectionne les deux, et on réduit un peu. Civilité, on sélectionne les deux, et on réduit un peu. Idem pour le nom, finalement, il était un peu trop grand. Le prénom, pareil. Le fait de les sélectionner les deux me permet comme ça de mettre à la même taille l'ensemble de ces deux contrôles. Voilà. Là, nous arrivons sur les deux derniers champs. Chiffre d'affaires, je crois qu'il était bien. Quant au mail, il était beaucoup trop petit. Donc, on va l'agrandir encore un peu. Voilà. Par contre, on va l'aligner à droite. Organiser, aligner, droite. Chiffre d'affaires, on va l'aligner à gauche. Et qui se superpose encore, donc avec la flèche gauche, on va essayer de le déplacer. La ville, on va la déplacer légèrement à droite. Et on va faire un aligné droite. Pour la rue, même chose. Aligné droite, si jamais ils ne sont pas bien au même endroit. Le prénom, on va faire un aligné droite. Pour le nom, on va faire un aligné droite. Et enfin, il nous reste trois petits champs. Civilité, que l'on a ici et ici, que l'on va rapprocher un petit peu, aligner droite. Code postal, on va le décaler légèrement à droite pour rapprocher celui d'en haut, et on va faire un aligné gauche. Après, c'est à vous de voir, hein. Vous faites de la mise en forme comme vous le sentez. L'essentiel, c'est qu'on voit bien tout sur la même page. J'ai gagné effectivement beaucoup de place. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est que l'on va sélectionner l'ensemble des contrôles. On a le premier, on a le dernier, et on va faire un équilibre, un horizontal équilibré. On va pouvoir faire la même chose ici, puisque toutes les boîtes ont la même taille, donc on devrait retomber sur la même largeur. Alors, horizontal équilibré, hop, c'est parfait, tout s'aligne bien l'un en dessous l'autre, il me semble. On va centrer les titres. On va les écrire en noir en même temps. Et ça devrait être déjà un peu mieux. Donc on va regarder un petit peu ce que ça donne. Accueil, affichage. Voilà, donc j'ai quelque chose de tout à fait correct. J'ai mon mail qui est un petit peu juste encore. Il va falloir l'agrandir. Mais pour le reste, c'est bon. Il y a un mi-clic. Très légèrement, il y a le point d'interrogation qui est très légèrement mangé. Donc on va rebasculer là-dessus. Le plus important, c'est le mail. Il est au bout, donc on va prendre les deux champs. Et je pense qu'on peut l'agrandir un petit peu ici. Voilà. Et pour le AdmiCli, oui, effectivement, il est tout petit, donc on va prendre les deux. Et on va l'écarter légèrement vers la gauche, puisqu'on a encore un peu de place. On enregistre, on affiche. Voilà. Donc cette fois-ci, c'est beaucoup mieux. Tout est à peu près correct. Nous avons donc une présentation qui convient. Il me reste maintenant à changer un petit peu les couleurs. Alors commençons déjà par mettre en gras le nom du client. Donc, le champ nom-cli, je vais dans Format,
et on va cliquer sur gras. Ensuite, le code postal, j'aimerais qu'il soit centré. Ce sera un petit peu plus joli. Au niveau du titre, liste des clients, je vais peut-être rajouter quelques petites choses. On va mettre administration. Alors, hop, administration slash grand compte. Ça, on voit bien qu'on fait la différence entre les deux. On va changer la couleur. Alors, ce que je vous propose, c'est de récupérer le bleu ou le couleur or. On va garder la même en tête. C'est-à-dire qu'on va essayer de récupérer la couleur or qui se trouvait dans nos formulaires. Donc, on va prendre le formulaire F matériel qu'on va ouvrir en mode création. Là, on a couleur de texte, celle-ci. On va donc la reporter sur notre état. Donc on le sélectionne. Couleur de texte. Et à la place de texte 1, on sélectionne, on colle et on valide. En arrière-plan, on va mettre notre bleu foncé habituel. Même chose, on va récupérer la couleur de ce bleu foncé, par exemple ici. Couleur de fond, on l'a ici. CTRL-C, on revient sur l'état client et on prend une couleur de fond qui convient. Voilà, ceci étant fait, nous allons mettre en plus le titre en gras pour le faire ressortir un petit peu plus. Voilà, du coup on va agrandir peut-être un petit peu cette zone de texte. Notre formulaire à présent est correct, accueil, affichage. Voilà, donc nous avons une liste qui est jolie. On aurait pu l'améliorer un petit peu plus, mais je vais laisser tel quel. On va juste changer le titre ici, état client. Pour cela, on retourne en mode création. On clique sur le petit triangle qui est là, le petit rectangle qui est là, le petit carré plutôt. Et normalement ici, dans l'onglet format, nous avons légende e-client. On va remplacer ce titre-là par nos clients. Notre formulaire est ainsi prêt. Il ne nous reste plus qu'à l'enregistrer et à le fermer. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à liker cette vidéo et également à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait.